Je suis arrivé chez Delhabille il y a 10 ans. J'ai voulu découvrir un autre métier. Je suis arrivé au bureau d'études en tant que chef de projet. Le bureau d'études a triplé en 10 ans de temps. Imaginez donc le nouveau produit que le client va vouloir. Et ensuite, ça va être de faire un proto, ensuite de voir si ce produit fonctionne bien. Si tout le monde est satisfait, ce sera un produit que l'on pourra commercialiser. On fait un produit générique, on va dire, qui colle à toutes les normes de chaque pays dans lequel le produit sera vendu. Le produit dont je suis le plus fier, c'est un robinet thermostatique mitigeur. Il a fallu respecter la norme française médicale, qui est de supprimer les clapets anti-retour, parce que c'est source de bactéries. Le produit est devenu beaucoup plus complexe. Après une bonne journée de travail avec tes différents collègues, le plaisir c'est de se retrouver sur un plan d'eau, de sortir le kite, on sort du cadre de travail et c'est plutôt plaisant quoi. Robinetterie, c'est pas qu'un simple robinet, c'est pas qu'un simple tuyau, c'est beaucoup de technologie en termes de technique, mais aussi en termes de matière. On travaille aussi bien du plastique, de l'aluminium, du cuivre, de l'acier, et c'est ce qui donne finalement l'attrait du travail et l'attrait de vouloir développer encore d'aller plus loin. Il faut essayer aussi de produire des produits au maximum locaux pour justement éviter l'impact environnemental.